Lucie, je suis gardienne animalière dans le secteur chevaux au refuge de la Marozou. Alors aujourd'hui, on va aller voir un petit pensionnaire du refuge qui est assez très spécial. Il a besoin de beaucoup d'attention par rapport aux autres, donc on va voir ça tout de suite. Allez, viens, mon loulou ! Donc comme on peut le voir, Rosal n'est pas tout jeune. Il a 34 ans, il a plus toutes ses dents, du coup il a une alimentation très spéciale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas manger de carottes, de pommes, tout ce qui est aliments solides, même les grains, c'est pas possible pour lui. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on mouille le grain et on le mixe par la suite. Du coup, il a sa ration matin, midi et soir, avec des petits suppléments, mixage de carottes ou de pommes. Malheureusement, il ne peut pas manger de paille, de foin. Pour dormir la nuit, il dort sur des tapis en mousse pour son confort. Il a, comme vous pouvez le voir, un masque sur la tête. Cela le protège du vent, des insectes, du soleil. Malheureusement, il a un ulcère à l'œil droit. Il faut soigner ça tous les jours et faire attention. Du coup, à la Marozou, on est aux petits soins avec Rosal, car c'est notre petit protégé, notre petit chouchou, comme il est assez différent des autres et on prend soin de lui. Mon travail ici est comme celui de tous les autres, c'est de soigner et de m'occuper des animaux, que ce soit alimentation, soins ou les chouchouter, car ils ont besoin d'amour, mais aussi beaucoup d'attention. Et on les accompagne jusqu'à leur fin de vie pour qu'ils finissent leur jour dans des prés heureux et avec des congénères aussi heureux.